Ouf. Oh, la musique quand tu fais surf, elle est trop bien. Elle est trop bien. Oh, j'y crois pas. Ok, on affronte des pêcheurs. Léviator. Susado. Peut-être pas le meilleur adversaire là-dessus. Bon, à l'occasion, je changerai. On va faire vol pour l'instant. Au départ, il a gros yeux sur nous. Il a gros yeux sur Léviator. Accessoirement, il a crogivre aussi. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il va d'aller au combat. Si on peut lui faire effort. Parfait. Comme ça, on le tombe au même seuil d'HP que nous. Oh, mais attends, je peux peut-être le die là. J'ai une attaque, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais pas dû. J'aurais clairement pas dû. Bon bah on va donner tout l'XP à Bunny. Hop, il va juste nous mettre un petit feuille magique. Et remporter tout l'XP. Donc il va se partager forcément avec Kralouche. 756 XP. On va changer, on va mettre l'Uxrem XP maintenant. C'est juste pour qu'elle prenne XP, rien de plus, rien de moins. Ça part sur un tassel. C'est torché quand même, Léviator. Non, ok, ça va. Je disais putain. 756 points. Kralouche qui monte level 27. Ok. Alors on va faire un truc assez simple. On va mettre Luxray en front lane. Ouais ouais, ça mord pas du tout. Et bon, on va checker ça, mec. Oh, il y a 6 Pokémon. Enfin, 5 du coup. Rainbow Red. Ok. Que des rémorais, frère, de fait. Level 29, en plus il monte pas en level. Ça aide pas trop ça pour gagner d'XP. Ok, bon, moi ça fait de l'XP pour Kralouche. Hein. C'est le point positif. Je vais le prendre cette fois-ci. Forcément. Allez, ça part sur les one shot, ça dégage. Rainbow Red. Hop, le petit level up normalement. Oh, les 100 HP de Luxray. Léviator. On va continuer. Il a gardé la petite pépite pour la fin quand même. Ouf. Oh, le beau one shot, mon Ray. 700 points. Let's go. Let's go. Hop les. Il va nous laisser passer.
Pas de chance. Jolie berge. C'est stylé par contre. Qu'est-ce qui se passe? Tes habits sont tout mouillés. J'imagine que tu as pris bateau pour l'île de fer, histoire de récupérer une C, je me trompe. Ah, il y a une C, ça récupérer à l'île de fer. Ça, c'est une chose qui est probablement bien intéressante. C'est fort intéressant ce qu'il me donne là comme info là. Ok. Ils disent quoi les gens ici? J'aime bien parler aux gens moi dans les Pokémon. Des Pokémon de la même espèce pour avoir des capacités spéciales différentes. Ouais, bon, ça le CW Nintendo. Ça, je m'en fous un peu. J'ai de la chance d'obtenir assez force sur l'île de fer. Mais je ne pourrais pas déplacer des rochers qu'après avoir vaincu Charles, le champion d'arène. Je devrais noter ça sur le carnet de mon Pokémon. Ok, donc on sait que c'est assez force. C'est un jeu d'enfant, il suffit de prendre le bateau. Ok, super. Alors, il y a une petite demoiselle avec le Psycho-Quack. Mon Psycho-Quack et moi sont très liés, du coup, sa capacité retour est encore plus puissante. Ok. Auberge du port, le temps a effacé l'inscription. La porte est fermée à double tour, vous allez avoir du mal à l'ouvrir. Ok. Bon. Oh! Oups, hey Master, tu comptes défier le champion d'arène du coin, hein? Quelqu'un devrait évaluer ta force au cas où tu n'aurais pas le niveau. D'ailleurs, on va s'en occuper, moi et mon badge d'arène flambant neuf. Il a déjà le badge, lui. Oh, le retour de Yus. Et ton Raptor est lancé. 3 de fuck, il est tellement stylé. Il a tellement de flow, et ton Raptor. Pas de chance, t'es tombé sur le mauvais. T'es tombé sur le mauvais Pokémon. Ah, il est déjà level 36 quoi. Non mais. Il a loupé l'attaque. Je suis dépité là. Ça fait mal quand même. Ça fait quand même mal son Nidoraptor. Super efficace et paralysé. En plus de ça, c'est juste parfait. Hop, je renvoie étincelle. Oh, même le cri des Tauraptors est trop stylé. Scarino. On va continuer du coup. Oh, mais ils sont tous au level ces Pokémon. Je n'étais pas assez préparé pour combattre Yus. Soit PP. 50, ouais, bon, on met une hyper pote. Hein. Putain, j'y reviens pas, il a tellement des levels hauts. Carino qui a aéropique. Tout va bien. Ok, c'est pas très efficace. Oh merde. J'ai failli faire une connerie encore. Casse-brique, ça fait mal par contre. Son casse-brique qui fait pas du bien. Stop. S'il vous plaît. Si vous pouvez être paralysé, let's go. Trop bien ma vie. Je vais tenter une morsure. Pour qu'il soit apeuré. Il s'en est battu les couilles du coup. Il s'en est clairement battu les reins. Ok, j'envoie mon Ponyta. Un coup de feu, ça devrait suffire. Ok, ça passe. 792 XP. Le level 34 de Dada qui tombe. Juste flotte. On va changer du coup. On va envoyer Torterra. On joue stratégique. Hein. Là, il a clairement des levels au-dessus de nous. Ah, ok, level 35, c'est encore ok. Bon, Charlito est quand même tanky. Ouais, voilà, il a pris je sais pas combien d'HP. Il a pris 13 HP.
Oh, il est trop cher. Tu fais tellement de dégâts par contre. Et encore son Mystic Ram, je sais pas trop comment on va le. Comment on va le passer. Ram, je tombe le 29, let's go. Ouragan, bah c'est toujours ça. On va lui faire oublier Trompette parce que c'est vraiment de la merde. Ah, c'est type dragon, Ouragan. Hop, let's go. Siam Raz. On va changer. Oh, non, non, je crois. On va keep, on va keep. Oh là là, le flow. Ah, il y a le carreau de feu par contre. Ok, si je peux faire CX avant. C'est super efficace. Aéropique. Oh, il est. What the fuck, si il m'embrasse. Aéropique, gros. Ça n'existe pas. Je vais envoyer Susanoo. Il va nous faire un petit. Vive attaque en attaque prioritaire. Nice. Oh, le crit en plus, let's go. 850 points. Roserad. Et bien, on continue. Par contre, il y a des Pokémon incroyables. Ils sont tellement stylés. Toxique. Ok, ça va. Ça, c'est un truc tellement utile, par contre. Toxique, c'est répondre autour de votre équipe. Ouf. On n'est pas encore battu. Ni moi, ni mes Pokémon n'avaient abandonné. On va peut-être mettre une potion. Et j'ai vu attaque. Et Susanoo qui prend 765 points d'expérience. Yes. Ouais, ouais, tu es juste un peu en avance sur moi, comme d'hab. Bah ouais, c'est plus toi qui as l'avance sur l'XP des Pokémon et tout. Mais écoute bien, devine qui va défier la Ligue Pokémon et devenir le maître. Exact, bien vu, ce sera moi. Bref, tu devrais aller sur l'île de fer pour t'entraîner. Ouais, vas-y, c'est ce que j'ai fait avant de défier le champion d'arène. C'est comment ce qu'on va faire du coup ?